Bonsoir, chers frères et sœurs de la communauté africaine vivant aux États-Unis comme ailleurs. C'est encore votre jeune frère Yaraloa. Très rapidement dans cette vidéo, je vais partager des idées avec vous comme j'ai l'habitude de faire. Et si vous avez déjà vu une de mes vidéos, je dis à chaque fois que ce n'est pas la solution d'avoir deux boulots, trois boulots pour pouvoir réaliser ses rêves aux États-Unis comme ailleurs. Donc la seule solution, c'est de pouvoir travailler à son propre compte. Donc je vais vous exhorter à pouvoir saisir l'entrepreneuriat. Car l'entrepreneuriat vous permettra de pouvoir avoir contrôle de votre temps, contrôle de votre argent et être en bonne santé. Donc cherchez à rentrer en contact avec moi et puis on va s'asseoir, on va discuter et on va mettre en place un plan d'action qui va vous permettre de pouvoir partir à la retraite dans les 3 à 5 prochaines années. Parce que je sais que vous travaillez dur et vous gagnez peu. Et cet argent-là ne peut pas vous aider pour l'avenir. On est bien clair. Ou bien peut-être vous gagnez beaucoup d'argent, vous gagnez déjà votre vie ici, mais vous n'avez pas le temps. Donc vous pouvez gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais pas beaucoup de temps. Donc vous aussi, vous êtes également concerné pour qu'ensemble, on puisse s'asseoir et puisse voir comment travailler ensemble. Et je vais vous dire, c'est un business que vous n'avez pas besoin de faire ça tout seul. Je vais vous coacher étape par étape pour que vous puissiez vraiment réaliser vos objectifs. Si moi, enfant de Yopougon, quartier populaire d'Abidjan, j'ai pu réussir, ce n'est pas vous qui n'allez pas pouvoir. Donc faites-moi confiance et puis on va travailler. Ceux qui disent que c'est des arnaques, vraiment ne faites pas attention à eux. Regardez dans leur vie, regardez ce qu'ils ont pu faire comme action et puis regardez leur vie pour voir si ce sont des exemples. Si ce n'est pas le cas, vraiment ne faites pas attention à ça. Je m'adresse à ceux qui veulent vraiment réussir. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes au Canada. Ici, c'est Vancouver, British Columbia. On est venu passer quelque temps avec la famille. Vous voyez, ce n'est pas intéressant ça. Prendre son billet d'avion, prendre l'avion, quitter Tennessee, voyager jusqu'en venir dans le Vancouver. C'est pas beau ça, regardez un peu les frais. C'est ce que je parle, regardez un peu, c'est pas beau ça. Ça c'est Vancouver, c'est pas bien ça. Donc c'est ce que je veux que vous ayez contrôle de vos temps et puis vraiment jour de la vie, n'est-ce pas? Donc cherchez à rentrer en contact avec moi et puis on va discuter et puis on va voir comment on peut vous aider. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Bye bye.